Coucou tout le monde, c'est la Team Yel. Salut, et on va enfin découvrir le secret de ce masque perdu. Vous venez de vous emparer des restes d'Odalwa. Vous venez de libérer l'esprit innocent de ce masque magnifique qu'avait enfermé dans le cours de Odalwa le démon. Il est très coloré ce masque, mine de rien. Allez, le moment préféré de Milu. Mais ce passage, il est juste énorme. C'est un passage... C'est un passage mythique dans ce jeu. En plus, la musique, elle est géniale. Tu peux pas me dire que t'aimes pas cette musique, là, elle. Si, je l'aime beaucoup. Regarde, il y a des bulles partout. C'est quoi, ça? C'est une musique, là, elle. C'est une musique. C'est quoi, ça? C'est des nuages, là, elle. C'est quoi, ça? C'est le Père Noël. Bah, moi, la première fois que je les ai vus, c'était dans... C'était dans Super Smash Bros. Melee, alors j'avais peur, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, renvoie la lune, et hop, au revoir lune. Deux secondes, écoute, on dirait qu'il dit quelque chose. On dirait qu'il essaie de nous apprendre une chanson. Allez, reste pas là à rien faire, prends ton instrument. Se pourrait-il que ce soit la chanson? Ta gueule, fait une jolie musique. Ouais, t'es contente, j'ai pas joué le chant trop vite. Mais celui-là, tu le fais jamais vite. Bah oui, ce chant-là, il est cool. C'est le seul chant de tous les jeux que je vais faire où je ne jouerai jamais vite. De toute façon, c'est le seul chant qu'on joue que deux fois dans tout le jeu aussi. Malheureusement. Aussi. Non, tu peux le faire, mais ça sert à rien des fois. Moi, quand j'étais petit, j'ai enregistré ce chant sur toutes les versions qu'il y avait. J'ai enregistré à la guitare, au tam-tam, à la trompe. Donc techniquement, ça marche quand même, mais si tu viens en masque droit ici, alors que normalement, c'est pas... Ah non, pas tu peux pas, Link, il est tout le temps... Link, Link, il sera tout le temps normal ici. Ah, d'accord. Quoique non, avec un Game Shark, si c'est possible de venir. Mais je crois qu'il joue quand même de l'instrument, en fait. C'est quand même de l'ocarina qui est joué. Appelle... nous... C'est ce qu'il dit. En plus, Taya est traductrice. Elle est trop cool, Taya. Taya, c'est une fée plus utile que Navi. Mais oui. C'est pour ça. Taya, elle est trop géniale. Pourquoi il reste pas avec Taya après? Enfin, j'ai jamais vu la fin du jeu. En fait, ne spoilez pas les gens. Pourquoi me spoiler la fin du jeu? Puis là, il y a quelqu'un qui va dire, j'espère que je vous spoil pas. En fait, je vais pas devoir lire les commentaires, c'est ça? C'est moi qui les lirai, c'est ça? C'est dangereux de faire un jeu à moitié en blind. Surtout quand l'autre personne, elle connaît et qu'elle a peur de gaffer ou d'un moment. Les quatre personnes dont elle parlait? Penses-tu qu'il parlait de l'esprit enfermé dans ce masque? Oh ouais, tu t'es plutôt bien sorti, on pourrait croire que tu as déjà fait ce genre de truc. Moi, non. Jamais. Continue à ce rythme, nous devons sauver les trois autres. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. Taya, arrête de penser tomber amoureuse de Link. Toutes ces méchancetés que je t'ai faites, ton cheval, je suis désolée. Pardon. Bon voilà, je me suis excusé, ça va maintenant, on est quitte, alors on me le ramène plus, ok? Mais j'ai rien Tsundere dit. Taya. Bon alors voilà, on vient de sauver la princesse, comme nous l'avait demandé le singe. Notre prochaine arrêt de la montagne, grouillons-nous, il faut arrêter Skull Kid. What? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Taya! Elle est trop jolie la princesse Mojo. Au début, je sais plus pourquoi tu m'avais dit qu'elle était moche. Mais non, ce que j'aimais pas, en fait, c'était ses yeux. Qui êtes-vous? Miel, heureuse de te rencontrer. Pardon, de vous rencontrer. Je suis la princesse Mojo. Est-ce que par hasard le singe vous aurait demandé de me sauver? Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous sentez un peu le singe. Finalement, le singe a réussi à s'en sortir, c'est très bien. Non, en fait. J'étais inquiète car je pensais que si mon père ne me voyait pas rentrer, il soupçonnerait le singe d'enlèvement. J'étais encore plus inquiète car je pensais que mon père punirait le pauvre singe. Ho ho ho! Ho ho ho! Ne me dites pas que c'est pas possible! Est-ce que mon père va faire ça? Encore une décision prise sous le coup de la colère? Oui.
Mais alors, nous n'avons pas temps à perdre! Vite, monsieur Miel, pourriez-vous me transmettre quelque chose pour me transporter au palais Mojo? C'est pour ça que tu voulais nettoyer la bouteille, ou... Oui. Pas de soucis, madame. Pour mettre une princesse dedans. Princesse en bouteille. C'est un peu étroit, mais ça ne semble pas la gêner. Dépêchez-vous quand même, utilisez ces pour la faire sortir. Monsieur Miel, il n'y a pas de temps à perdre. Emmenez-moi vite au palais. Je parle à une ombre. Je trouve ça trop cool que la petite Mojo, elle peut aller dans une bouteille. Ouais, enfin, c'est pas très logique non plus quand même. Oui. C'est une bouteille géante que tu as en fait. Vous avez joué le chant de l'envol. Ouah, cascade! Oui, j'ai utilisé le chant de l'envol pour me téléporter dans la zone dans laquelle je suis. Oui, mais je veux économiser du temps et pas tout remonter. Voilà. Je suis feignant. Y a-t-il un problème à cela? Eh bien, non. Ce n'est pas grave. Moi, je vous le dis. Parce que la fleur suffit pas pour revenir jusque-là? Si, non. Enfin, non, il y a pas de fleur pour venir jusque-là, en fait. Bah, si. Oui, mais il faut faire tout le tour. Moi, l'entrée. L'entrée. L'entrée de la porte, il y a une fleur, non? Ah oui, les fées. Je les avais oubliées. J'ai tendance à les oublier aussi, donc cette fois-ci, je me suis dit, il faut pas que je les oublie, hein. D'ailleurs, si on va leur parler alors qu'elles sont pas grandes, elles nous soignent aussi. Enfin, qu'elles sont pas grandes, qu'elles sont pas reconstituées. Moi, je préfère quand elles sont petites, hein. Salutations, puissant petit être, je suis la grande fée de la puissance. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme habituelle. Pour te remercier, je t'accorde la connaissance d'une nouvelle technique à l'épée. J'espère que cela te plaira. C'est trop drôle. Mais j'ai pas d'épée. J'avoue. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tombé malade. J'ai grave la haine là. Oh, quand même pas. Vous avez appris une technique à l'épée malgré que vous n'avez pas d'épée. L'attaque cyclone, un épée pour charger votre épée d'énergie magique. Relâchez B pour effectuer une attaque tournante dévastatrice qui balayera vos misérables et impudents ennemis. Vous pouvez effectuer cette attaque sans dépenser d'énergie magique en tournoyant le stick une fois, blablabla. Reviens me voir chaque fois que tu te sentiras lassitude t'envahir. Mais en fait, je ne pense pas. Je ne reviendrai jamais. Adieu, désintègre-toi bien dans le passé. Dans le futur passé. Dans le futur du passé. Dans le futur passé. C'est bien le futur passé. Là, je vais peut-être faire un fail en fait. Je sais pas si le papa de Tingle. Oh bah, c'est pas grave. Tu peux prendre l'autre personne en photo. Oui. Yo, peace! I'm going to kill you because I hate you! Alors. Mais du coup, s'il est là, faudra. T'as utilisé ton épée. Ah, il est là. Bon, il est là. Carrément une flèche. De toute façon, je suis obligé. J'ai besoin d'utiliser le truc pour. Je peux pas utiliser la boîte à caméra quand je suis Link normal. Link Mojo. Oui, je sais, mais bon. Yo, peace. A chaque fois, dommage. Tu veux être sur la photo, toi. Hein. Voilà. Voilà. Raté. Tu m'as raté, t'abuses. Ah, mais du coup, tu vas pas ouvrir la statue. Quelle statue? Il y a pas une statue sur cette route? Non, il y en a pas. La route du lait. La route du lait, c'est pas ici, non. Oh mince! J'étais persuadé. Eh ben non. Ah, mais non, la route du lait. C'est un chemin encore à côté. Oui. Oh là 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 là. C'est ici, tu vois, entre la zone à gauche là. Oui. À côté de la tête de Link. Excuse-moi. Yo! Alors, j'aurais la foule, où est-il donc cet enfant gâté qui fait encore les folles buissonnières? Son âge, on a d'autres choses à faire que chercher des fées. Ouh, OM, bienvenue. Si par hasard tu viens me montrer une photo, ça fait. Ça me fait mal de le. Quoi? Je n'arrive pas à lire. Pourquoi t'appuies sur A? Il a dit que c'était fini. Mais on est encore le premier jour là. Ah! Screw you, Kamek. Bon, ok, c'est pas grave, hein, je parlais à toi, t'es sympa, toi. C'est une gratitude éternelle, je t'en fais une croisière. Oh, mais attends, oui, je l'avais deviné. Il n'y avait que le poison dans l'eau et neutralisé. Donc pourquoi ne pas essayer autre chose? Que penses-tu d'un petit jeu? Je vois sur un balai et tu tentes de toucher la cible. Bien sûr.
Après, tu vas retourner au... au palais. Oui, je vais retourner au palais après. Bien que je libère Madame Moro. Hein. Je crois qu'il faut faire 20 là dans ce jeu. Je suis pas sûr du score, mais. Je l'ai jamais fait. Je savais même pas qu'elle nous proposait un mini-jeu en fait. Ah, je te l'ai pas dit quand tu faisais le jeu. Non. Oh, je pensais que tu l'avais fait en fait, parce que t'avais repris ta partie après. Le bois cascade. Non, justement, j'ai repris au bois cascade. Ah non, j'avais battu au deux lois finalement. Mais tu me disais que t'avais jamais réussi en fait et. Mais non. Oh la pauvre. Mais non, justement, je m'étais arrêté au début du temple. Ah oui, t'étais remonté dans le temps immédiatement après parce que t'avais plus de temps en fait. Du coup, t'es jamais reparti battre Zolwa en fait. C'est pour ça. Mm-hmm. Bah, ouais, je me suis arrêté au. Parce que quand je te disais de le refaire, tu me diras, oh, je le ferai plus tard, j'ai la flemme là. Je grave la flemme. Vas-y, je suis pas capable de tirer dans une cible ou quoi. Vu que je t'ai pas touché là. Là, je te touche, mais t'as pas mal, mais quand je te touche pas, t'as mal. C'est cheaté les mini-jeux avec les flèches dans ce jeu. C'est pas plus mal. Quand tu, quand tu te souviens du chevalier équestre. Du chevalier équestre. Chevalier équestre, qu'est-ce que c'est que ça? La course équestre, là, la chevalerie montée. Non. La chevalerie. Je sais même plus comment ça s'appelle. Le tir à l'arc. Archerie montée, voilà. Chevalerie montée. Il est facile ce mini-jeu, le problème c'est qu'il n'y a pas de musique là parce qu'il fait nuit, alors c'est triste. Toute sa musique c'est un truc du genre Non, c'est pas ça, je sais plus ce que c'est la musique ici. Je vais même faire 20, 30, non peut-être pas. Non, je dommage, dommage. 29. En fait c'était 30. Non, c'est 20. Pas si mal. Très bien, comme ceci. Prends ça. Comme tiens, ceci. Comme promis, prends ceci. C'est amusant, hein. Non. Screw you. En fait, faut lui donner une photo soit du roi Mojo, soit de son fils, Tingle. Oh ! Je dis la vérité. C'est pas bien, t'as dit la vérité. Moi, je savais pas. Allez, on va nager jusque là-bas. Du coup, elle va pas te faire une croisière. Enfin, même de toute façon, c'est lent. C'est plus rapide d'y aller comme ça. Oui. Du coup, il y aura pas de musique au palais non plus. Si, si, il y aura la musique là-bas. Ah, quand même. C'est parti. Oui, de toute façon, c'est bon, t'as pas besoin de battre Odoa pour montrer une photo. Non, non, c'est bon ça. Alors, si vous alliez à... C'est à gauche, oui. Là. Ah, c'est à droite, tu vois aller. Mais il y a quoi à gauche alors? Ah, si on allait là. Mais on va pas faire le mini-jeu là. Ah non, non, il faut donner la princesse. Oui. Si tu cours jusqu'à prison, blabla. J'avais oublié la princesse. Moi, je voulais la garder dans la bouteille. Oh, bah. D'ailleurs, si on remontait le temps, elle serait partie en fait. Oui. Comme un vulgaire item. Yo, peace. Châtiment, châtiment. Alors, comment te portes-tu, monsieur singe? Ah, chouchou, arrêtez, s'il vous plaît. Peut dire que moi, avoir capturé elle, mais ça a pas ramené princesse. Oh Tondon. Ah, il est content, le roi, derrière. Wow, c'est devenu un singe doré. Du coup, il danse, il est content. Il va plus être content dans pas longtemps, moi je te le dis. Princesse Mojo! Bleh. On a fusionné, moi et la princesse Mojo. Oh, ma princesse! Ma tante princesse! Vas-tu bien? J'étais si inquiet! Ah, père, il réfléchit! Ton, ton, ton. Bon. Elle aussi, c'est une tsundere. Oui, un peu. Tous les personnages dans ce jeu sont des tsundere, je crois, en fait. Vous libérez ce singe à l'instant! Je vais lui donner des ordres et tout, elle est méchante! Mais non, elle est gentille! Dark. On va sauver le singe! So dark! Du coup, Navi est revenu. Oh, monsieur singe, je suis réellement désolé. Père fait des choses tellement stupides quand il est inquiet à mon sujet. Moi, comprendre, princesse, vous oubliez ça. Temple d'être redevenu normal. Eh bien, oui, grâce à monsieur Ménalis Prisant, je suis sincèrement reconnaissante. Vraiment, alors toi t'appelais Miel. Moi m'appelais. Alors toi m'appelais Miel, d'accord. Merci toi d'avoir tenu promesse envers moi. De rien, hein. En signe de gratitude de notre chancelier, vous a préparé un petit quelque chose. Nous vous prions de l'accepter. Vous le trouverez dans le lieu saint à droite du palais en sortant. Bien, on verra ça dans la prochaine partie. Ok. Du coup le roi... Et en fait non.
Ah oui, d'ailleurs, oui, en fait, là, j'ai libéré la princesse, mais c'est possible. Je l'ai fait une fois dans un live, en plus, d'ailleurs. J'ai enlevé le masque au moment où... au moment où la cinématique allait se lancer, du coup, en fait, il parlait à Link normal, et du coup, ça leur paraissait normal qu'il y avait un Link normal et tout. Ils disaient que c'était un mojo et tout. D'ailleurs, ils lui disent... D'ailleurs, il parle à Link. Je suis heureux que la princesse soit revenue sain et sauve. Non, c'est pas toi, alors. Tu peux te transformer en beaucoup de créatures. Étrange. Oh, que deux, hein, non, c'est pas si énorme. Seulement une, hein. Yo, princesse, comment vas-tu? Est-ce que tu m'aimes maintenant? C'est le princesse Zelda. Il semblerait que notre chancelier ait une haute opinion de vous, monsieur Miel. Je pense qu'il vous attendra dans notre sein des saints à droite en sortant du palais. Je ne verrai jamais ce que vous avez fait pour nous. Mais pardonnez-moi si je refuse de voyager à nouveau dans cette minuscule bouteille. Oh, pas de soucis. Allez. A bientôt tout je le monde. Je me pose à côté du roi et nous allons partir pour de nouvelles aventures. Salut!